تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك dérivé du mot baraka. Baraka qui veut dire bénédiction. C'est quoi bénédiction? Bénédiction, c'est une petite chose qui divine depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il donne n'importe quoi, il est capable d'un djimoun, il y a un djimoun béni. Comme Isa alayhi salam dit dans surah 19, surah Maryam, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Et Allah fait une ferme, il y a quelqu'un qui bénit n'importe qui place qui m'a été. Il est capable de nous l'étendre. Et là, il y a qui n'a plus barakat de 24 heures d'une personne, c'est le matin après Fajr jusqu'à soleil levé. Et au fait de vous trouver, ça l'est la même sommeil la plus bon. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans mon umma pour le travail que je fais tout le matin. Mais Dieu, c'est ça l'est là. Ou bien un proverbe qui dit où, par exemple, le monde appartient à ceux qui lèvent tôt. Mais seulement il restait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit introduire ça via nous. Et là, un savant qui dit à nous ça même, Zénès les temps. Zénès. Un jeune, veut dire qu'il a sur la force, il a sur le courage, il a tout la vie. De nous 24 heures, c'est ça lié là, ça. Ensuite, dis-nous, c'est ça lié là qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous risques. De l'époque de Bantabirin, quand quelqu'un dormit, ça lié là, il a l'évli. Ibn Abbas, il dit Allah, quand quelqu'un qui dormit, ça lié là, il dit à lui, est-ce qu'il te dormit, lié qu'Allah peut porter à ce risque? Est-ce qu'il te dormit, lié qu'Allah peut porter à ce risque? Donc ça, c'est un lien qui vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, fait une barakat là-dedans.